Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce quelqu'un est dans la joie? Est-ce qu'on a fura? Si nous sommes dans la joie, nous allons encore acclamer. Kama tunafura utakuwa tunakimshangilia Bwana. Nous allons reprendre nos places. Nous disons merci au Seigneur. Lui qui nous fait faveur d'être là cet après-midi. C'est pour toi, c'est pour moi une grâce d'être compté parmi les vivants ce vendredi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur un thème intitulé les mystères de la croix. Les mystères de la croix. Et la puissance de la résurrection. Bien-aimés, il y a un grand mystère caché dans la croix que nous avons commencé à décortiquer le mercredi. Et par la grâce de Dieu, nous serons en train d'avancer. Mais aussi la grande puissance cachée dans la résurrection de Jésus-Christ. Mais avant de commencer, nous allons d'abord devoir apporter quelques éclaircissements quant aux questions qui ont été posées par rapport à la journée du mercredi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler de la condamnation de Jésus-Christ. Et j'ai dit le mercredi que Jésus n'a pas été condamné par un homme quelconque. Mais Jésus s'est livré à cause de toi, à cause de moi. Dieu, Jésus étant Dieu, il ne peut jamais être condamné par une personne. Mais j'ai dit l'autre fois dans un enseignement que si Dieu nous a créés, c'est pour que nous soyons de Dieu sur la terre. Ainsi, lorsque Dieu a un plan quelconque, il le fait au travers les dieux qu'il a placés sur la terre. Parce que lui ne peut pas descendre en personne. Il profite de ces gens pour accomplir une pensée dans la vie de quelqu'un. Vous savez, si Dieu veut bénir quelqu'un, il utilise un homme pour bénir cette personne. Si Dieu veut faire du mal à quelqu'un, il utilise une personne pour faire cela à quelqu'un. Ainsi, la condamnation de Jésus devrait être bien aimé, accompli par un homme, mais c'est Dieu lui-même qui a condamné Jésus. Il a condamné Jésus à cause de nos péchés pour le salut de l'humanité. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de la condamnation commence dans le livre de Genèse. Livre de Genèse, quand le premier Adam est tombé et qu'une sentence devait être prononcée, Genèse 3, 15.
Projette-nous Genèse 3:15. Je veux que nous soyons sur le même diapason. Enfin que nous puissions parler le même langage. Ça ne sert à rien d'avancer si il y a, on ne parle pas le même langage. Si on ne parle pas le même langage. Mais que l'Esprit de Dieu nous aide. Pour que nous parlions le même langage, enfin de continuer avec l'enseignement. Genèse 3, chapitre 15, chapitre 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ici le début de la condamnation. Quand Adam est tombé dans le jardin d'Eden, Dieu qui avait pitié de toi et de moi, il a commencé déjà à préparer les plans du salut. Le salut pour toi, le salut pour moi. Et dans le plan du salut, il dit ceci au serpent, parce que toi, tu as trompé la femme, tu marcheras par ton ventre et tu mangeras la poussière de terre. Il dit, la prospérité de la femme écrasera ta tête et toi, tu lui blesseras les talons. Blesser les talons, c'était déjà la délibération de Dieu pour la souffrance de Jésus-Christ. Blesser les talons, ce sont les souffrances par lesquelles celui-là qui est venu par la voix d'une femme devrait passer pour nous apporter le salut, pour nous apporter la délivrance. Et donc, dans le plan de Dieu, Jésus devrait venir et il devrait être condamné pour que moi et toi soyons délivrés de tout ce que nous étions en train de vivre. La condamnation de Jésus a été délibérée des cieux. Et comme Dieu, je le disais tantôt, il utilise toujours des hommes pour accomplir ses desseins, accomplir ses plans. Nécessairement, il devrait y avoir des hommes par lesquels ce plan de Dieu doit s'accomplir. Dans le livre d'Ésaïe 53, si nous lisons à partir du premier, du troisième verset, le quatrième verset nous dit ceci, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Il s'est chargé. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Il n'y a pas un homme quelconque qui a chargé Jésus de tes souffrances ou alors de mes souffrances. Mais lui-même, lui étant Dieu, il s'est chargé de nos souffrances pour que nous soyons délivrés, oui, des chaînes de l'ennemi. Verset 6 nous dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur lui. L'Éternel fait retomber sur Jésus l'iniquité qui était en nous. Tout ce qui était en train de nous condamner, tout ce qui était en train de nous lier, c'est l'Éternel qui a fait tomber ça sur Jésus-Christ, afin que nous soyons libérés.
Et donc, comprenez avec moi que la condamnation de Jésus-Christ n'est pas un pouvoir d'un homme, mais Dieu lui-même a condamné Jésus pour que nous soyons sauvés. Alléluia. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de les briser par des souffrances pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il a plu à l'Éternel dans sa grande souveraineté de briser toutes les souffrances sur Jésus-Christ afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand j'ai dit qu'aucun homme n'a condamné Jésus et que Jésus n'a pas été condamné par un homme, comprenez avec moi que la condamnation de Jésus-Christ est dans les cieux avant que Jésus ne vienne sur la terre. En venant sur la terre, Jésus savait très bien ce qu'il était en train de venir faire. Quand les livres de Matthieu, les livres de Marc, les livres de Luc nous parlent de la condamnation de Jésus-Christ, ils nous montrent les voies qui ont été suivies pour que celui-ci, pour que Jésus arrive à ce qu'il était venu faire. Je l'ai dit ceci tantôt, Dieu utilise toujours les hommes, que cela soit dans le bien, que cela soit dans le mal. Il peut mettre quelqu'un à tes côtés qui sera une épine pour ta vie parce qu'il a besoin de toi et il a besoin d'accomplir un plan dans ta vie. Ainsi, César ou Caïsar était là, il devrait s'élever contre Jésus-Christ et proclamer des condamnations. Mais lesquelles condamnations ont été scellées depuis les cieux? Elles n'étaient que des voies, des chemins par lesquels Jésus devrait passer pour aller accomplir l'œuvre de la croix. Alléluia. 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 Le livre de Matthieu me dit encore que même c'est Judas, quand il a su que Jésus était condamné, il est parti se repentir et il a remis l'argent qu'il avait reçu pour la trahison de Jésus. Oui, c'est normal. Il devrait se repentir parce que Judas n'avait pas la révélation de ce qu'il était en train de faire. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, aucun disciple de tous ceux qui ont marché avec Jésus, aucun disciple n'a su que l'œuvre de la croix était pour leur salut, était pour que leurs péchés soient ôtés. Ils ont vu Jésus dans la chair et ils ont cru que la vie dans la chair va ainsi continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, si Judas avait la révélation que cet homme est venu mourir à cause de nos péchés, à cause de ce que nous avons fait, je l'ai dit dans le culte de jeûne, il allait précipiter Jésus à la mort. Les disciples allaient précipiter Jésus à la mort parce que disant ceci, comme tu es venu pour notre salut, qu'est-ce que tu fais encore? Nous avons besoin de ce salut. Va à la mort. Mais les disciples, ils étaient prêts à arrêter cette étape pour Jésus. Même par le moyen des armes, ils étaient prêts à stopper cela parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus était venu faire. Le livre d'Apocalypse 5, si nous lisons tous les chapitres, lorsque les yeux des gens ont été ouverts, lorsqu'il a reçu la révélation, la Bible déclare qu'il a eu un grand silence dans les cieux. Il n'y a eu personne qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sept sceaux. Il y a eu un grand silence. Et quand celui-ci a commencé
commencé à pleurer parce qu'il n'a pas vu le salut de l'humanité. Il n'a pas vu le salut de ton âme et de mon âme. Quelqu'un est venu. Il lui a essuyé les larmes. Arrête de pleurer, Jean. Il lui montre. Voici, il y a un agneau de Dieu. Celui-là est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sept sceaux. Dans les grands silences qu'il y a eu aux cieux, ils ont su la souffrance par laquelle on devrait passer pour amener le peuple de Dieu au salut. Et personne n'était prêt. Personne n'était prêt à aller passer par cette souffrance pour amener le salut au peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les souffrances de Jésus-Christ ont été délibérées dans les cieux. Ce ne sont pas les condamnations des hommes qui ont amené Jésus à la souffrance. Jésus venait sur la terre, il savait qu'il va passer par ses souffrances. C'est pourquoi, Gethsémani, quand il priait, il dit au Père, si cela est possible, éloigne-moi de cette coupe. Parce qu'il voyait ce qui était devant lui, ce que les autres ne voyaient pas. Et donc, tout ce que les évangiles nous disent à propos de la condamnation de Jésus-Christ, oui, c'était des voies par lesquelles Jésus devrait passer. Mais ce n'est pas l'état de l'époque qui a délibéré de son âme la condamnation de Jésus. Ce n'était que de voies que Jésus devrait traverser. Parce qu'aucun homme, que tu sois qui que ce soit, ne peut condamner Dieu. Alléluia. Je veux que nous puissions comprendre cela pour que nous puissions avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de la croix a un secret extraordinaire dans nos vies. Tel que nous étions en train de le dire le mercredi, les autres sont en train de confondre la croix physique et la croix dont nous sommes en train de parler. Je l'ai dit ici, quand je parle de la croix, regardez Jésus qui est mort sur cette croix. Quand je parle de Jésus, regardez la parole, parce que Jésus lui-même est la parole. Alléluia. Quand je parle de la croix, ne te représente pas cette croix physique. Parce que la croix physique, je l'ai dit, elle est païenne. Elle n'est pas chrétienne. Cette croix a existé avant que Jésus ne vienne sur la terre, parce que seulement un moyen que l'État utilisait pour amener à la mort tous ces gens qu'ils ont condamnés pour les fautes qu'ils ont faites. Alléluia. Et quand Jésus vient, il devrait passer par ces moyens. Parce que pour que quelqu'un meure de cette manière-là, il fallait l'amener à cette croix. Mais ce n'est pas cette croix qui nous a sauvés, mais c'est ce que Jésus a fait sur cette croix qui nous a sauvés de tout ce que nous sommes. Alléluia. Je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, la compréhension de la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu, c'est elle qui nous amène dans la profondeur de la délivrance. C'est la parole de Dieu qui nous amène dans la profondeur de la délivrance. C'est pourquoi Paul cherche l'excellence de la connaissance. Parce que l'excellence de la connaissance est cachée dans la parole de Dieu. J'ai reçu une autre question le mercredi, quand j'étais en train de dire, sire, ce que la croix a fait dans ta vie. J'ai dit ceci, la croix ne transforme pas l'homme. La croix ne métamorphose pas l'homme. La croix ne te fait pas sortir à un point A pour t'amener à un point B. Non. Si la croix fait cette œuvre, c'est que la croix a échoué. Mais ce que la croix fait dans la vie de l'homme, c'est détruire cet homme. Par l'œuvre de la croix,
L'homme ancien que tu étais, l'homme ancien que moi j'étais, par la crucifixion de Christ, moi je n'existe plus. Toi tu n'existes plus. Alléluia. Il y a une grande différence entre la transformation et la disparition totale. Quand je suis transformé, je garde quelques caractéristiques de l'homme ancien. Mais par la crucifixion, Jésus est allé dans le tombeau avec l'homme ancien. Quand il est ressuscité, un nouvel homme qui est venu, ce n'est plus toi qui as vécu dans l'ancien, qui va vivre encore après la résurrection du Christ. Alléluia. Alléluia. Après la résurrection du Christ, c'est un homme nouveau. Alléluia. C'est un homme nouveau. Je l'ai dit, j'ai dit, la crucifixion de Christ a rendu impuissant tout ce qui était en train de troubler ta vie. Ça a rendu impuissant ces maladies qui t'entourent. Ça a rendu impuissant forme de malheur ou alors toute forme de mal que tu étais en train de traverser. Et j'ai souligné en disant, lorsque on rend quelque chose impuissant, ce n'est pas à dire que la chose n'existe plus. Alléluia. Alléluia. Si je dis que la chose n'existe plus, risquez de croire que lorsqu'on marche avec Jésus, il n'y a plus jamais de souffrance. Les souffrances sont là, mais elles sont impuissantes. Jésus t'a donné la force sur la souffrance. Vous savez, quand on te donne la force sur la souffrance, ce n'est pas à dire que la souffrance n'est pas là. Mais la souffrance est là, tu la regardes comme si elle n'est pas là. Parce que tu as la force sur cette souffrance. Tu peux marcher sur cette souffrance et aller au-delà de la souffrance. Jésus a rendu impuissant tout ce qui était en train de troubler ta vie. Et la résurrection a créé un nouvel homme. A créé un nouvel homme. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Verset 20. Est-ce que cela nous dit? Partie A. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Après la crucifixion de Christ, quand il est ressuscité, non, ce n'est plus moi qui vis. Parce que le corps ancien, l'ancien Adam qui était à moi, est allé dans le tombeau. Christ l'a laissé dans le tombeau par la puissance de la résurrection. Quand il est sorti d'entre les morts, non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, j'ai la force de marcher comme Christ. Si Christ vit en moi, j'ai la force de vaincre les ennemis. J'ai la force de vaincre tout ce que Jésus-Christ a vaincu. C'est pourquoi il dit, si vous marchez à moi, vous allez faire les œuvres que j'ai faites. Il augmente, il dit, vous en ferez encore davantage. Parce que moi, je m'en vais auprès du Père. Lorsque Christ vit en nous, l'impuissance du mal est constatée. Alléluia. Lorsque Christ vit en nous, l'impuissance des souffrances est constatée. Un chrétien qui n'a pas expérimenté ceci, c'est un chrétien qui va chercher toujours à gauche, à droite, des prières qu'on l'impose demain. Il cherche le salut par la voie de l'imposition demain. Or, bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai dit le mercredi, ce qui délivre la vie de l'homme, ce ne sont pas des prières. La parole déclare, vous connaîtriez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui rend l'homme libre, ce qui délivre ta vie, c'est la connaissance de la parole.
C'est l'excellence de la parole. Pour que lorsque tu seras en train de prier, quand tu prieras dans l'excellence de la parole, oh, Dieu a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Dans tes prières, lorsque tu seras dans l'excellence de la connaissance, c'est alors que tu vas mettre Dieu devant sa parole. Ça ne sert à rien de prier de midi à 14 heures. Ça ne sert à rien de passer des temps et des heures dans la prière si tu n'es pas en train de montrer Dieu ce que c'est sa parole par rapport à la situation que tu traverses. Dieu sera redevable devant toi. Je dis, Dieu sera redevable devant toi lorsque tu vas l'affronter devant sa parole. Alléluia. C'est lorsque tu le mets devant sa parole qu'il sera redevable vis-à-vis de toi. Le seul langage que Dieu entend ou comprend dans la prière, c'est sa parole. Quoi que tu pleures, quoi que tu cries, l'excellence de la connaissance de la parole, c'est ça qui va t'amener dans la prière. Et lorsque tu seras en train de prier, bien-aimé, tu seras exaucé. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, depuis que Adam était tombé, il y a eu plusieurs courants, il y a eu plusieurs pensées, il y a eu plusieurs logiques qui ont pris naissance pour essayer d'apporter la solution au problème d'Adam. La philosophie a essayé, mais la philosophie n'a pas pu réussir. La philosophie a amené ses recettes, mais la philosophie n'a pas résolu le problème d'Adam. La théologie est venue. La théologie a essayé d'apporter ses solutions, mais la théologie n'a pas pu apporter la solution parce qu'elle est aussi limitée. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est le monde actuel qui nous trompe, nous disant que si nous sommes théologiens, automatiquement nous sommes serviteurs de Dieu. Non, alléluia. La théologie, elle nous aide. Elle nous aide à comprendre certaines choses. La théologie nous aide à comprendre certaines choses. La théologie nous enseigne comment nous devons faire. Mais c'est lui qui met quelque chose à nous. C'est lui qui nous donne le ministère. Ce n'est pas la théologie. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui appelle. Ce n'est pas la théologie. C'est Jésus-Christ. J'étais en train de suivre un documentaire où il y avait des grands professeurs de théologie dans le monde occidental, mais malheureusement, ils sont gays. Mais il a un diplôme de doctorat en théologie. Et quand nous partons étudier la théologie, il nous enseigne. C'est bon, nous prenons la connaissance. Mais c'est lui qui nous donne le ministère. C'est lui qui oint le ministère. C'est Jésus-Christ. La philosophie. La théologie a essayé d'apporter sa recette pour résoudre le problème de l'ancien Adam. Mais bien aimé, ils n'ont pas réussi. Mais je connais une personne qui, lorsqu'il est descendu, il est venu du ciel, il est venu apporter sa recette. Il est venu apporter sa contribution. Oui, pour le problème d'Adam. La parole l'appelle. Le second Adam. Adam on l'appelle pas le premier Adam. Ou l'Adam rénové. Ou l'Adam renouvelé. Mais on l'appelle le second Adam. Parce qu'il est différent. Quoi, il est venu mettre fin à tout ce que le premier Adam nous a amené. Le second Adam est venu. Il est venu avec ses recettes. Il est allé à la croix avec ses recettes. Oh, la parole déclare. Et il a crié par-dessus tout. Il a dit, tout est accompli. Il a pris la somme de tout ce qui a troublé ta vie. Il a pris la somme de tout ce qui t'a rendu stérile, tout ce qui te fait pleurer. Le second Adam, il a pris la solution. Il est allé avec toutes ces choses à la croix. Et pour terminer, il dit, tout
tout est accompli. C'est-à-dire, ce qui était impossible pour les théologiens, ce qui était impossible pour les philosophes, ce qui était impossible pour tous les courants, j'ai tout pris. Et j'ai dit, tout est accompli. Maintenant, à la croix, je vais mourir avec ces choses. Je vais aller dans les tombeaux avec ces choses. Il est parti avec toutes ces choses. Il les a enterrés. Il les a enterrés. Bien aimé dans le problème. Dans le Seigneur. Tout ce qui trouble ta vie a été enterré. Jésus-Christ est parti avec dans le tombeau. Tous les problèmes qui continuent à te tourmenter aujourd'hui. Ne te dis pas une chose, que le problème est là maintenant. Jésus était allé dans le tombeau il y a 2000 ans. Mais comment il a enterré le problème qui me trouble à cette heure? Comment les problèmes qui comment il a enterré? Et pourtant il était là il y a maintenant 2000 ans passé. Bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit le mercredi que la mort de Jésus Christ était vue physiquement par ceux-là qui étaient présents, par ceux-là qui ont marché avec Jésus Christ. Mais les effets de la mort de Jésus Christ sont spirituels et elles marchent de génération en génération. Les problèmes qui troublent tes pensées, les problèmes qui troublent ta maison, les problèmes qui troublent ton foyer, il a dit tout est accompli. Il n'a laissé aucun problème en gestation. Aucun problème n'est resté en gestation. Il a tout pris. Il est descendu avec dans le tombeau. Alléluia. Il est parti enterré tout ce qui était en train de troubler ta vie. Il est parti enterré tout ce qui était en train de compliquer ta santé. Si tout simplement tu comprends que ce qu'il a fait à la croix, il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour ma maison. Il l'a fait pour mon travail. Il l'a fait pour mes démarches. Bien aimé, cela va prendre effet dans ta vie si tu crois en sa parole. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, non, la mungu, elle n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée. Peu importe ce que tu traverses, peu importe là où tu es, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix n'est pas limitée. Alléluia. Esaïe a prophétisé ces choses. Il a vu ces choses. Oui, tel que nous l'avons, je le disais dans le livre d'Esaïe 53. Mais il n'a pas compris. Même ceux-là qui étaient avec Jésus-Christ, ils n'ont pas compris que Jésus-Christ était venu pour eux. Personne ne comprenait. Ils étaient en train de vivre ce que les prophètes avaient écrit. Même les disciples, ceux-là qui étaient avec Jésus pendant 3 ans et demi, ils n'ont pas compris ces choses. Voilà pourquoi, bien aimé, pour les disciples, la mort de Jésus-Christ, c'est un pris comme une défaite. Alléluia. Pour les disciples, match est scellé. C'est tout. On croyait qu'on va continuer avec lui. On croyait qu'on va continuer à manger les pains. On croyait qu'on va continuer à voir les morts ressuscités. On croyait qu'on va continuer à voir des miracles. Mais quand ils ont vu Jésus à la croix, c'était une défaite dans leur vie. Ils se sont dispersés. Et chacun a commencé à prendre ses pensées. Tout le monde était en train de croire ce qu'il va faire après ça. Ils ont ignoré tout ce que Jésus était en train de leur dire. Personne ne se souvenait de toutes les promesses que Jésus était en train de leur faire. Pour les disciples, la mort de Jésus étant un stop. Pour les disciples, la résurrection. Alors la puissance de la résurrection n'était plus dans leurs pensées. Personne n'a cru qu'un jour celui-ci ressusciterait. Même si Jésus les a promis toutes ces choses. Alléluia. Amen. Ils étaient dispersés. Il y a Jean qui a essayé de résister. Jésus lui dit à la croix, va te charger de ma mère. Occupe-toi de ma mère. Parce que moi je m'en vais. Jean aussi était là.
Il a pris la maman de Jésus. Ils sont partis. Jésus était en train de rendre l'âme. Ils n'ont pas compris que ce qui était en train d'être fait à la croix, c'était le couronnement. C'était le couronnement de tout ce qu'on était en train de leur dire. Parce que s'ils pouvaient avoir cette connaissance, s'ils pouvaient avoir cette révélation, je me dis ce jour-là, même si Jésus serait en train de crier à la croix, il serait en train de chanter Hosanna au plus haut des cieux, il serait en train de chanter oh, béni soit le notre Dieu. Parce que ce que nous entendions, nous sommes en train de le voir. Nous étions en train d'attendre un sauveur. Celui qui va nous délivrer. Celui qui va délivrer Israël. Celui qui va délivrer le monde. Maintenant, nous l'avons vu. Il est là à la croix. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Mais pour les disciples, c'était une défaite totale. Alléluia. Amen. C'était une défaite totale. C'est pourquoi dans les quatre évangiles, vous allez voir que ces quatre évangiles limitent à la mort de Jésus. Dans les quatre évangiles, on ne célèbre pas la résurrection. Parce que pour eux, c'était une défaite. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas compris les secrets qui étaient cachés dans l'œuvre de la croix. Même s'il était avec Jésus-Christ. Pourquoi Paul dit, je cherche l'excellence de la connaissance. Parce que lorsque tu as l'excellence de la connaissance, par la grâce de Dieu, il y a certaines choses que l'Esprit te révèle. Oui, parce que tu cherches cela. Alléluia. Alléluia. Mais ils ont cru qu'ils vont continuer ainsi. Alléluia. Alléluia. Amen. Malgré qu'ils ont été avec lui, ils n'ont pas compris. Ils étaient là avec Jésus tout simplement parce qu'ils voyaient de miracles. Ils ont vu le lépreux purifié. Ils ont vu le mort ressuscité. Lazare, ils l'ont vu ressuscité. Les filles de... C'est le fils de Jaïrus. Ils ont vu ses fils ressuscités. Ils ont vu les fils de la veuve de Naoum ressuscités. Ils ont cru que nous voilà, nous allons continuer dans ces merveilles. Non, il ne va pas partir. Nous allons continuer à vivre de miracles jour et nuit. Oh bien-aimés dans le Seigneur, ils sont nombreux. Ils sont là parce qu'ils ont entendu qu'il y a des miracles. Toi, chrétien, qui aime des miracles. Oui, c'est bon. Parce que la parole déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui ont recru. Les miracles, c'est bien dans un ministère. Les miracles, c'est bien dans la vie d'un chrétien. Mais attention, si tu fondes ta foi sur le miracle, cette foi-là va vaciller. Elle va chanceler. Si tu ne fondes pas ta foi, si l'excellence de la connaissance, la connaissance de la parole de Dieu, cette foi-là va vaciller. Oh, ils sont nombreux parmi nous qui sont là parce qu'ils cherchent le miracle. C'est pourquoi lorsqu'on appelle les gens, on dit venez. Il y aura des sciences de délivrance. On va prier aux gens. Ils seront délivrés. L'église serait pleine si on avait fait cette publicité-là. Parce que les gens sont à la recherche de miracles. Comme les disciples ont vu le miracle. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ah, non, ça c'est vraiment un tout puissant. Ils ont vu Jésus multiplier le pain. Non, nous allons continuer ainsi. Mais ils ont ignoré que l'importance de toutes ces choses, c'était que Jésus aille à la croix. Alléluia. C'était que Jésus aille à la croix. Ce qui couronnait même leur ministère, la période qu'ils ont passée avec Jésus-Christ, oui, pour qu'ils reçoivent aussi la puissance du Saint-Esprit, il fallait qu'ils
passer par la croix. Et s'ils avaient compris ces choses, il allait les précipiter. Même s'ils n'avaient pas ce pouvoir. Alléluia. Mais ils n'ont pas compris ces choses. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas le miracle. Cherche la parole et la connaissance. La connaissance de la parole apporte le miracle dans ta vie. La connaissance de la parole ouvre les chemins qui étaient liés dans ta vie. La connaissance de la parole te délivre, bien-aimé. Oui, des liens que tu ne peux pas imaginer. Si nous cherchons le miracle, nous allons passer de chambre en prière en chambre de prière. Nous allons passer d'une église à une autre. Et nous allons dire, ici il n'y a pas Dieu. Ici il y a Dieu. Ici il n'y a pas Dieu. Et pourtant Dieu, il est avec toi dans ton cœur. Marche seulement avec la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marche seulement avec la parole. Si tu marches avec la parole, tu vas voir les miracles s'opérer dans ta vie. Je les mets dans le Seigneur. La croix a deux rôles. Dans le premier rôle de la croix, la croix a pris. La croix a pris. La croix a pris. Tout ce qui était tes problèmes, la croix a pris. Tout ce qui tourmentait ta vie, la croix a pris. Tout ce qui te faisait pleurer, la croix a pris. Et donc, dans la première phase de la croix, a pris. La croix a collectionné. Elle a tout collectionné. C'est pourquoi, au-dessus de tout, il dit tout est accompli. Parce qu'il n'y a rien qui y est resté en dehors de la croix. La croix a pris tout ce qui était tes problèmes. Tout ce qui tourmentait ta vie. Bien aimé, la croix a pris toutes ces choses et il a dit tout est accompli. Mais le deuxième rôle, c'est la crucifixion. La crucifixion. Ta crucifixion. Alléluia. Il ne faut pas tout simplement se limiter à dire la croix a tout pris. Il a dit tout est accompli. Oui, c'est bon. Il a dit tout est accompli. Mais j'aime ce que Paul dit aux Éphésiens, aux Philippiens. Là où nous étions en train de lire, dans le livre de Philippiens 3, si nous commençons à partir du 8e verset, il est en train de les exhorter à chercher l'excellence dans la connaissance, parce que c'est cette connaissance qui va les amener à comprendre la puissance qui a fait sortir Jésus d'entre les morts. Cette puissance qui fait sortir Jésus d'entre les morts, c'est la victoire de toi chrétien, c'est la victoire de moi chrétien, oui, sur tout ce qui est en train de tourmenter nos vies. Il ne s'arrête pas là. Si nous avons les excellence de la connaissance, c'est alors que nous allons comprendre la souffrance de Christ, mais aussi nous allons communier dans ces souffrances-là. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, pour obtenir les choses de Dieu, il faut accepter aussi de communier dans les souffrances de Dieu. Nous aimons recevoir de Dieu, nous aimons recevoir de bénédictions de Dieu, mais nous refusons de recevoir Dieu. Comment veux-tu recevoir les choses de Dieu, mais tu refuses de recevoir Dieu? Reçois d'abord le propriétaire des choses, fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur, qu'il prenne la place dans ton cœur, qu'il soit l'homme du milieu dans ta vie. Lorsque le propriétaire de tout est celui qui règne sur ta vie, mais tout ce qui lui appartient t'appartiendra automatiquement. Il dit dans sa parole à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ils ne sont pas nés ni du sang, ni de la chair, mais nés de Dieu, nés de l'Esprit. Et donc, lorsque tu es fils de Dieu, automatiquement, tu dois hériter des choses de Dieu. Cherche d'abord à être fils de Dieu.
tout ce qui est à Dieu t'appartiendra automatiquement. Alléluia. N'aimons pas les choses de Dieu tout en réfutant Dieu dans nos vies. La connaissance, bien aimé, c'est ce que nous devons chercher. Paul nous dit ceci, que cette excellence de la connaissance, il doit la chercher pour que cette excellence de la connaissance l'amène à comprendre certaines choses. Quand nous parlons de la connaissance, parlons un peu de la connaissance avant de continuer. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux nous projeter Philippiens 3. Philippiens 3, verset 10. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue enfin de gagner Christ. Continue. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. La connaissance, Paul est en train de chercher ici. C'est ce que nous sommes en train de parler. Quand la Bible nous parle de la connaissance, il nous parle de la connaissance sur trois niveaux. Je vais un peu m'expliquer pour que lorsque nous allons continuer, nous ne soyons pas perdus. Bien aimé, la connaissance, lorsque vous regardez l'interprétation grecque, bien sûr l'interprétation biblique, il y a une connaissance qu'on appelle gnosis. Et cette connaissance-là, c'est une connaissance générale. C'est une connaissance acquise à partir du monde. Quelqu'un peut être intelligent, il peut être brillant à l'école, il peut être brillant dans le monde scientifique. Il a la connaissance que cela appelle gnosis. Une connaissance générale. Les hommes peuvent apprécier de tes connaissances, ces connaissances-là, on les appelle connaissances et gnosis. Il y a la deuxième connaissance qu'on appelle la connaissance gnosko. La connaissance gnosko, c'est la connaissance qui vient de ce qu'on entend. C'est la connaissance qui vient d'une information qu'on a entendue. Cette connaissance-là, c'est celle que Jésus est en train de vouloir que nous ayons. Mais malgré que nous entendons, nous pouvons attendre les choses qui construisent, les choses qui ne construisent pas. Parce que tout ce que nous entendons, bien-aimé, et que nous accumulions ça, ça devient une connaissance. Jésus dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et donc, la connaissance gynosko, elle vient aussi de ce qu'on entend. Mais pour aller plus loin, il y a la connaissance qu'on appelle épigynesko. Épigynesko, c'est cette connaissance qui vient de la parole de Dieu. La connaissance qui vient de ce qu'on a entendu et ce qu'on a entendu vient de la parole de Dieu. C'est cette connaissance-là dont nous avons besoin pour aller à l'excellence. Mais au-delà de la connaissance épigynesko, il y a aussi la connaissance épignosis qui est l'excellence de la connaissance épigynesko.
Et donc, lorsqu'on a cette connaissance-là, on marche dans les choses de Dieu avec l'assurance, sachant que rien ne peut me bouger parce que je marche avec Dieu. Notre problème, c'est quoi? Nous cherchons à comprendre les choses de Dieu par les choses de ce monde. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la connaissance, on ne peut pas la comprendre à partir des dictionnaires Robert, à partir de l'existence de français. La connaissance dans la parole de Dieu, on ne peut pas la comprendre sur base de manuel de la connaissance générale. La connaissance que nous avons appelée gnosis. Tu ne peux pas prendre la parole de Dieu et tu prends un dictionnaire, tu prends un Larousse, tu cherches à comprendre la parole de Dieu par un dictionnaire. Chaque mot écrit dans la parole de Dieu, c'est une révélation. Et pour comprendre la révélation, il te faut la révélation. C'est pourquoi Paul dit, je cherche l'excellence de la connaissance pour comprendre ces choses. Parce que lorsque je cherche à comprendre ces choses, par la voix des hommes, je vais échouer. Alléluia. Alléluia. La connaissance dont nous avons besoin, c'est la connaissance qui vient de la parole de Dieu. Et la connaissance qui vient de la parole de Dieu, c'est une révélation qui vient de Dieu. Et donc chaque mot que nous avons dans nos Bibles, nous devons chercher à comprendre pourquoi ce mot existe, pourquoi ce mot a été placé ici. Et ce n'est pas un dictionnaire qui peut nous l'indiquer, mais c'est la révélation du Saint-Esprit que nous arrivions à comprendre ce que l'Esprit est en train de vouloir dire dans un contexte donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les termes bibliques, comme je l'ai dit, sont des termes de révélation. Des termes bibliques, ce ne sont pas des termes qu'on a ramassés à gauche, à droite. Ce sont des termes qui ont été révélés. Et pour les comprendre, nous avons besoin de la révélation. Alléluia. Alléluia. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous serons en train d'errer. Et nous n'allons pas comprendre ce que nous sommes. Il dit ceci aux Philippiens. Il faut, pour que vous compreniez la puissance de la résurrection, il faut la connaissance approfondie. La connaissance de Christ. Christ. Alléluia. Amen. Pour que lorsque vous souffriez, que vous souffriez avec Christ. Parce qu'il y a d'autres souffrances qui nous arrivent. On a tendance à les chasser. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu. Tu risques de chasser la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que tu n'as pas la connaissance de comprendre que ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, nous serons sentis près sur la terre, mais avec des persécutions. Quand la persécution t'arrive, si tu ne comprends pas que ça vient de Dieu, tu risques d'appeler les hommes de Dieu. Venez chasser, venez chasser, venez chasser. On va chasser la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais que Dieu nous aide à chercher la connaissance. Chercher la connaissance pour que nous demeurions dans la volonté de Dieu. Pour que nous demeurions dans la pensée de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le mystère de la croix et la puissance de la résurrection, nous serons en train de creuser le dimanche et ne manquez pas, parce que ce sont des choses importantes qui nous ouvrent des portes, nous cherchons à gauche, à droite. La connaissance de la parole, l'excellence de la connaissance de la parole, bien-aimé, nous aide à comprendre et à vivre de grandes choses. Nous serons en train de continuer les dimanches, même si on ne sera pas aussi terminé. Nous allons prendre encore une étape, l'étape de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Comment les disciples
ont pris la résurrection de Jésus-Christ. Comment ils ont compris la résurrection? Comment ils se sont comportés face à la résurrection? Et ce qui est ta vie, ce qui est ma vie par rapport à la résurrection ou alors à la puissance de la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la parole de Dieu.